Trey, on fait le tryhard, par contre, aucune vanne. Oui. Tu préfères quel match-up? Je pense Swain. Et toi? Je pense Swain. Mais vas-y, t'inquiète. Moi, ça me dérange pas de gommer, je vais être freescaling. T'es sûr? Ça te permet de l'exploser. Ouais, parce que ouais, moi, je pense que je peux l'abuse. Ouais, ce que j'allais dire, parce qu'en plus, il a pas de flash. Franchement, vas-y, je pense que je peux l'abuse. Après, ce serait du 100% abuse si j'étais dans une période Trinda, mais là, je suis en. Enfin, bref, je l'abuse. Je vais l'abuse mid. Je pense que c'est mieux parce que tu pourras freescale au mid et faire des trucs sur les ganks alors que moi contre Raze, Thaïs Rush sur une lane courte, bon. Oui, flemme. Oh! On a une Rell dans la comp! Notre comp devient viable! Je te jure que Rell Jungle fait fonctionner. Coutz! Salaud de merde. J'y crois en le fait que cette game se passe trop bien. J'y crois à 100%. Je vais trop en fonction de la wave LD, ok. J'aurais dû l'aider. Ouais, je vais carry avec ma Kaïssa. En vrai, t'as pas été déconnant, on a des carry. Bon, là, ça va. C'était mon second rôle, fut un temps. C'est quoi ton second rôle à TM Jungle? Mid. Ok. Je joue Lissandra Harry. Le Ryze a trollé là. Il a mais gagné la lane, je laisse une mauvaise lane. Non, je suis mort. Oh, j'ai fait de la merde. Attends, je vais acheter un abatteur pour essayer de me contrôler. Pour essayer de me contrôler. En vrai, si je me plaçais mieux entre mes autos et tout le bordel, je le tuais, je mourrais pas et je gagnais la lane niveau 1. Voilà, j'ai mais tout raté, meilleur genre de légende, 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 légende. Mais vous êtes voilà. Incroyable en fait. Bah, on a déjà fait 2 solo kills en fait. Bah, voilà. J'avoue, j'étais. Aïe. Y'a no ghost au top, no ward, moi je pense que ça se fait. Merde, je fais n'importe quoi. Il me faut un petit peu de furie. C'est vrai que ce perso a 175 de range maintenant. C'est tellement OP, meilleur champion du jeu. Ok, je te vois, je te sens mon cousin, je te sens. J'ai cancel un crit, FF. Meilleur champion du jeu. Putain, j'ai... En vrai, Mika est tellement malin avec ce gong de fou, là. Attends, viens, on lui interdit de revenir. Viens, on part en mode full Trinda game, là. Boum! Putain, mais GG! Et voilà. Mais... Attends, mais Trinda est complètement broken, c'est quoi champ? C'est quoi ce putain de champ? Comment tu veux perdre une game avec ça, Stray? C'est impossible! Putain, c'était la game parfaite pour croire! Ok, je vais reset. Trinda, meilleur champ du jeu, GG! Incroyable. En vrai, je suis content pour toi, mon frère. Mais là, je sens que tu vas avoir une lueur d'espoir que Trinda, c'est bien. Non. Et que tu vas vouloir le rejouer et que tu vas revivre une déception. Non. Trinda est le meilleur champion du jeu, je viens de le prouver avec Rell. Oh oui. Oh regarde cette lane en plus, regarde-moi cette lane. Trop de la merde en boucle, c'est parfait, ça se passe trop bien. Allez, juste un petit poulet et on est bon. Mazi ce poulex la team. Attends, regarde, bro je lui mets un poulet, il peut plus bouger du coup il meurt. C'est quoi ce champ? Mais Trinda est overbroken. C'est quoi ça? Il faut le nerf. Oh, il meurt! Oh, c'est trop beau! Non, mais on est en 5-1 et 2-0-2. Je t'avais dit, bro, Stray, tu m'as dit, crois en tes rêves. Je crois en mes rêves. Bro, c'est la game parfaite. Franchement, qui aurait bet sur cette issue? Vite, entre les deux tours. Bravo, t'inquiète. Ah, bro, c'est la plus belle issue possible. Ça fait plaisir.
En vrai, j'aurais dû prendre un arc... Enfin, le truc à 700, là, non? J'aurais dû prendre ça plutôt que prendre des épées longues. Toi qui joues Yasuo, t'en penses quoi, Aldé? Ah, pardon, c'était en fight. Ouais, arc courbe, ça a trop de value, surtout sur Yone. Ok, ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, je farm mon niveau 6 sous ses yeux. Et je vais le tuer avec. Un creep. Je peux roter de bot. Un creep était dans la merde, gars. Je pense qu'ils ont récupéré leur exhaust et leur heal. Si je les mets au mon ghost. Ok. Bah écoute, je ligne droite quand même. Je fais confiance. Vas-y, vas-y. Y'a pas de sum, Lucian. Bro, le Swain passe un de ses moments en top lane, t'as pas idée. Ah, t'es en 6. Comment c'est possible? T'es à 1 kill par minute. Je sais pas, bro, je pense que. Trinda, pendant la pause là, que j'ai fait avec, avec lui, il a travaillé sur lui-même dans l'optique de se racheter, tu vois. Non, 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 il n'a pas fait ça, bro. Si. Non, si. Non, non, non. Si. Il ne l'a jamais fait. Si, si, il a travaillé sur lui dans l'optique de se racheter et c'est devenu un meilleur homme. Oh, je te jure que ça va mal tourner. Je te jure que ça va mal tourner, tu vas mal le vivre. Oui. Ouais, c'est ça. Impuissant à te regarder mal le vivre. Je le sais. Allez, et maintenant je freeze la lane en boucle. J'ai envie de le solo bolo. Le solo bolo chiche. Oui, en vrai, j'avais même pas besoin d'ult. Oh, mince. Et Ken derrière toi. Oh. Légende. Oh. Le clavier de Stray quand il joue Yone. Oh putain. Oh non. Petit freezing en 6-1. Ah, elle a l'air de se mettre à l'aise là. La vie est belle. Franchement, la phase de lane pour le Swain là, elle est trop drôle. Oh merde. Je suis en mode oh shit là si quelqu'un peut venir. Oh, il m'a flash. Oh, il a tellement de haine en lui. Allez, on va build un Boons et le dive sur le Boons. Il n'y aura pas de ghost, pas d'ult. Ok, il était là-dedans. Alors, Swain. T'es dans la grosse merde et tu le sais. Oh, le Poulex. Oh, dommage. J'attends la rel. Voilà. Mais non, ouais. Oh, sa game. Non, le pauvre, ouais. Oh, la vie. La vie qui traverse. Il chill, là. Il chill un coup. Je crois qu'il vient de prendre 20 ans de vie, là. Je suis là. 7-1. 56 d'avance. Abatteur. Perso broken en lane. Non, ça, pour le coup, c'est vrai, Shenrim. Ça, c'est notre rôle. Non, mais c'est... ce qui me fait rire, c'est la joie dans ta voix. C'est ça qui me fait rire. Oh, Trinda me rend trop heureux depuis la nuit des temps. Oh, je te jure que ça se transformera d'ici 2 jours en dépression. Laissez-moi vivre ma relation toxique, merde, c'est ça l'amour. Non. Non, non, en vrai, c'est pas, bon, ça, c'est pas ça du tout. Je vais te sortir de là, bro. On est là pour toi. Viens, non. On le dive raw, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ouais. Ah ouais. Putain, ouais, il a tellement de shield. Gold reset, c'est worse. Oh là là. Gold reset et il a plus d'ult. Non. Oh, viens là. Oh, viens là. Oh. En vrai, s'il revient pas, je peux pas. Il est revenu. Il a mis tellement de temps, il était constant. Mais lui, il est trop chiant. Dégage, parasite. Ça, c'est vrai, c'est un joueur de Kane, ça, on reconnaît. Oh, les joueurs de Kane, c'est littéralement des parasites. Son ulti, c'est littéralement se transformer en parasite. C'est ça. Bro, c'est trop chill pour lui au top, là.
J'ai perdu 0 HP et je n'ai pris aucun risque. Les gars, regardez le placement du strain du Swain, c'est n'importe quoi, non? Oh, c'est une blague. Y'a peut-être le Rice qui va venir vous. Et avant qu'on se lâche. Il a l'air de se mettre bien. NON! Le parasite! Non! J'ai essayé de disengage la tour. Parasite! J'ai jamais vu un Yone faire ça. Ok. Parasite, non! Oh! Oh! C'était tellement close! Ah, il t'avait pas d'ulti, putain! C'était vraiment. Oh shit, oh shit, oh shit là! Allez, petit reset nage, j'ai la batteur en plus sur cette histoire! Attends, mais je peux TP pour continuer à le pressure et qu'il ait absolument aucun droit de respirer, c'est parfait! Vas-y, je vais vendre ça. Et on va prendre ça. Préparer le petit Kraken là. Histoire d'avoir des dégâts. Oh, le Swain m'a envoyé un œil. Ça va pas la tête, bah du coup je vais le gank. J'ai un E dans 10. Oh, là j'ai. Oh. Oh, il va pouvoir jouer. Attends, j'attends. Il est niveau 6. Ok, vas-y, je suis derrière lui, il a pas de ghost. Enfin, deux, t'as oh, compris. Il est niveau 6. Ouais. Ok, je lui ai mis ce poulex. Oh, 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 oh. Quoi, j'ai pris 300 gold sur lui. Attends, pourquoi j'ai pris 300 gold sur lui? C'est le shutdown reset, enfin le bounty reset de la REL de tout à l'heure. Ah ouais. Putain, bah il se met bien. Ah ouais. Oh, j'ai vraiment pas de réussite au bot, désolé les gars. T'inquiète bro, faut pas s'excuser. T'inquiète. Pour le coup... De toute manière, ton jungle joue pas autour de toi et t'as même eu ton support qui est venu top. On va carry là, t'inquiète. On peut pas t'en vouloir. Ah mais j'ai vraiment pas de réussite, genre les deux sont sortis à 2 HP à chaque fois. Oh les dégâts que je lui colle! Ah, le Kraken c'est quelque chose, hein. C'est choquant. Le Kraken c'est quand même monstre OP comme item, faut le dire. Ah, vraiment. Oh, oh non, ça a touché. Ok, mon champion. Mais si, c'est quoi OP, ce poulex? Bien joué. Oh non, oh, il a encore son Bounty Reset. Sa forme là. C'est parfait. A chaque fois qu'il vaut moins de 300 gold, la REL donne un kill pour Bounty Reset. Ok, j'ai... Ah bah j'ai... Putain, ça coûte que 3000. Kraken. Et tous les petits composants sont forts. Mais non, mais tous les demi-composants sont forts. Tout. Tout. Il y a tout dans le Kraken. Ouais, tu parles d'un Kraken. Le truc n'est jamais faible, n'est jamais une erreur, n'est... Impossible. Ce poulex... C'est trop affaiblissant de voir ça. Ok, no flash sur Ryze. Bon, tu sais qu'avec le Kraken, là, je tuais les deux. Hop là. Là, j'ai le Kraken, c'est parti. Parce que c'est même pas abusé de dire ça, je pense que je tue vraiment les deux. Ah, je tue les deux avec le Kraken. Parce que je tue le Swain beaucoup plus vite. Je switch sur le Ryze avec l'étal stacké et Kraken. Ok, j'ai chié, pardon. Ok, t'as fait un petit play. Non, 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 shit, merde, merde, merde. Je lui mets un Q, je oh, le oui, pas. Oui. J'ai envie de plus de crit. J'ai fait de la grosse merde. C'est très bien. En vrai, franchement, c'était dommage. En vrai, c'était bien joué, en vrai. En vrai, de vrai, c'était bien joué. Si je suis pas rinsac sur mon champion, je pense que je l'ai tué. Après qu'on soit d'accord, Yone est broken et le Kraken aussi. Oui, c'est vrai. Et à aucun moment, on contestait ça. De quoi, pardon? C'était quoi le débat? Non, mais quelqu'un qui disait, non, après qu'on soit d'accord, Yone est broken et le Kraken aussi. Ouais, c'est ce qu'on disait, non? Moi, je parlais juste du Kraken, mais... En fait, ça me paraissait obsolète de souligner que Yone est broken. Ouais. Tu sais quoi, je vais maxer le R. Je me sens de maxer le R, là. Au niveau 11. Au niveau 11. Que dire? Ok, il a acheté une étoffe, moi je suis revenu avec un bazooka entre temps. Mais c'est quoi ce poulex? Il a l'air d'être tellement heureux.
Oh, fais chier! Oh, fais chier! Il y a tout le temps la police qui vient me choper à la fin! C'est peut-être parce que je le dive à la T3. Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as en même temps vu où t'es. C'est peut-être lié. Non, bro, je pense pas. Il me faut exploser la tour bot là. Tu vas récupérer tant de gold. Oh, t'as l'IE. Ah ouais, je suis bien. Oh, je suis tellement jaloux. Si seulement mon perso pouvait acheter l'IE. Ah, dans cette game, si t'avais IE Navori avec le snowball que t'as eu. Oh là 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 là, j'aurais délaid tout le monde. Nah, but what is this pool, X-Man? Oh non. Bah, flash de Kane. Flash de Xerath. J'arrive, je suis dans le bac là. Oh! Il instaure un malaise, hein! Vraiment? Oh là là! Là. Kakane! Attends, est-ce qu'il. Non, il va pas. Non! Non! Oh. Mais c'est quoi ce poulex? Je ghost! Attends, je vais juste lui donner de la haine! Je vais juste lui donner de la haine! Je t'ai eu. On a plus de gold comme ça! Est-ce que je peux le prendre ou ça le dérange? Je pense que ça le dérangeait. Non, ça va. Il écrivait juste. Oh! Oh! Quel est ce poulex? Il a pas de flash, le Xerath, il a pas de on flash. On tue, on tue. Nah, but what is this poulex? Merde. Oh, j'ai fait un vieux misclic. Je le démonte quand même. On peut pas dive ça? Non, c'est de la merde. Si, quoi. Si, si, si! Oh oui, oui, oh, oui, 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 faut dive ça, bro. C'est tellement pas de la merde. Oh, je suis tellement chaud. Oh, je suis tellement hot oui, de faire oui, ce oui. Dive là. Oh oui! Est-ce qu'il faudrait pas aller encore plus deep? Bon, vraiment, j'ai flash in et j'ai cliqué à côté du ciel. Et je te. Qu'est-ce qui se passe? Oui! Oh, j'aime bien! Oh, je suis mort. T'as très bien joué. C'est parfait. Ok, je fais un rappel mortel maintenant. Il commence à avoir des tabis derrière de rien. Faut se prévenir de ça. Hop, oh, écoute, perso, je peux acheter. C'est quoi le mieux entre BT et Shilbo? Oh, j'ai fallu de ça dépend de la game. La question, c'est est-ce que tu peux taper les ennemis? D'où il dash par là? Après, j'ai pile les gueules pour un Hullbreaker, c'est peut-être un signe du destin. Ah oui, t'as pas ul. Ah bah, il te faut ul, là. Ok, ok. Ah oui, oui. Surtout, c'est même pas mauvais offensivement. 5% de MS et 60 d'AD. Ouais, j'avoue. Quel est ce poulex? Oh, j'ai vu la flash. C'est trop rigolo, cette rune. Et c'est tellement pas une skill! Et ça récompense tellement pas de jouer comme. J'ai rien dit. Passons à autre chose. No flash rise. Putain, je me voyais déjà tuer les deux et j'étais trop heureux. Mais en fait, je t'explique, Stray. Il aurait dû mourir avec ma balafre et mon stride, mais il y a quelque chose sur sa rune qui, en plus d'être sûr de s'escape avec la MS, c'est de la slow résistance. Comme ça, si t'as pas réussi à bien space et que tu te prends quand même un slow pendant ton escape, bah le slow fait rien. En vrai, il y avait de la slow résistance sur l'ancêtre de Phase Rush, je sais plus comment ça s'appelait. Assaut du maraudeur. Ouais, voilà. Je crois qu'il y en avait, mais je suis pas sûr. Parce qu'à l'époque, j'ai l'impression que c'était moins maudit quand même comme rune. Je sais pas si c'était. Moins maudit, mais c'était beaucoup moins populaire, du coup on s'en rendait peut-être pas compte, je sais pas. Faudrait aller voir sur le wiki. Faudrait aller voir un petit wiki assaut du maraudeur là. Oh, on arrive, Stray. Oh, je suis mort, là je vais pas vous mentir. Non, 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 t'es pas mort, on arrive. Oh, te plais-moi ça. Je m'en sors réellement, ça dégoûte. En vrai, ça dégoûte. Peut-être qu'il est sur le bleu. Je vous le ramène le Kane. Oh mince. Oh mince. Il est pas dans le oh mince.
Voilà, tu vois, tu survis. Il doit être c'est n'importe tout. Quoi, hein, ça te dégoûte. Ça te il dégoûte va être tellement. Là, il y aura Rice qui va courir pour le cache, non? Ah non, il est bot. Eh, c'est trop bien, maintenant les T3 le valent des gold. Avant, ça aurait servi à rien cette action, maintenant, les gold d'une T3, ça me met bien. Hop là. Ok, je vais faire un petit reset. Ouais, y avait un slow résistance. Mais c'était moins fort qu'avant. Regarde, avant il y avait marqué infliger des dégâts équivalents à 30% des PV maximum d'un champion en moins de 2,5 secondes. Ah, fallait ah faire ouais, ça pour le proc. Okay. Avant oui, fallait faire ça pour le proc, c'était ça la grosse différence. C'est pas du tout la même rune en fait. Ça faisait que du coup c'était joué que sur des assassins qui faisaient vraiment mal, genre Talon. Mm. L'ancien Talon il jouait ça. Ah merde. Ce qui fait que le phase rush actuel il dégoûte tant, c'est. Il y a même pas de notion d'offensif ou quoi, c'est. J'arrive et voilà. Je me casse. Ouais. Bon, j'ai pris un petit Lucien au passage. Après, en vrai, le changement des mythiques, ça va mettre bien pour ça. Ce sera beaucoup plus dur à faire proc. Ah, je l'ai dit, y'a pas le rêve là. Ah, je suis mort, hein. Putain, y'a pas quelqu'un qui veut venir défendre? J'arrive vers vous, tenez bon! Ah, flash du Kane. Tenez bon, j'arrive manger ce poulex! Oh! Bro, les gars, vous pouvez ping à peu près où ils sont? Ouais, non. Ok. Là. Il est là, bro? Il est là. Tu penses qu'il la veut cette tour? Tu penses qu'il sait que je suis là? Oh mon dieu. Il est dans un buisson. Détecté! Et tout ça grâce au poulet. Oh. Lui il a pas de flash. What is this poulex? Attends, je suis en train de loot play vite fait. Oh, y'a pas quelqu'un d'autre là? Pas quelqu'un genre ici? Oh! Oh shit! Par ici. Ils vont vouloir me faire un traquenard, mais je m'en fous. Lui il est mort. Hein. T'es où? T'es là, man? Moi je suis avec toi, bro. Il est parti par là. Je suis giga up. Oh, c'est parfait. Regarde ça. Non. Oh, il avait un flash. Oh, la troisième auto sur son flash, ça l'a mis bien avec le Kraken. Attends, mais le E de Yone a 100 CDR, 10 non, secondes moi, de CDR moi, en live. Moi. En gros, je t'explique, ton perso n'a pas besoin de CDR. T'en bulles littéralement aucune et t'as pas de CD sur tout. Bon, je te jure, c'est n'importe quoi. Ça s'appelle Yone Yasuo. Et en plus, t'as accès à l'IE. Non, ce qui, mais non, mais en non, van mais est non, rare bah actuellement. Oui. Pour un perso crit. Après, sur Yasuo, je trouve ça vraiment beaucoup moins choquant. Parce que je sais ouais. pas, le dash il a des conditions chiantes quand même. Oui. Le Wine Wall il est pas affecté. Yone est complètement broken, Yasuo l'est pas, c'est vrai. Yasuo est quand même frustrant à affronter, forcément. Quand tu joues contre un très bon Yasuo, t'es tout le temps frustré. Ouais. Mais rien à voir avec Yone. Surtout sorti de la lane. En fait, sorti de la lane, Yasuo, il y a tellement de moments où tu peux le choper et en faire ta chose. Alors que Yone, pas... jamais. En fait, c'est trop bump et wave dépendant, Yasuo. Ouais. Si t'as pas de setup de bump ou pas de setup avec une wave. Ouais, bon. Voilà quoi. Bon, tu joues. Tu croises Yasuo. Olaf! Yasuo en lane avec Olaf, ça peut être vraiment dur, tu vois. Mm-hmm. Yasuo avec Olaf que t'attends ici sur un timing où il y a pas de wave, tu vois, c'est ta chose. Ouais. Tu le croises dans la il jungle. Il ne fait rien, son kit ne marche pas, y a rien du tout. Ou un truc comme ça, y a rien. Alors que Yone, cette même situation, bah il se barre avec son ulti ou avec son E, il tend pas une tornade, et il se barre et quand il revient sur son E, il aura chargé une tornade et il se rebarre et. Oh. Oh. Nous soufflons. Bon, je suis full stuff avec une pote, il faut finir cette merde. Y'a un cœur gelé sur le Swain. Mais non, il est encore. Ok. Moi j'attends le parasite, y'a que lui que je veux. Ouais, bah le parasite il veut putain, que moi. Je fais de la merde. Oh shit.
Shit. Oh putain. T'as vu ce perso broken? Je pense qu'il faut finir tant que ça reste un bon souvenir sur Strindar. Oui. En vrai, je ne suis pas d'élu. Comme ça, tu finis sur une belle touche. Voilà. J'ai cru en mes rêves. Ça fera une petite game de Trinda. GG.